Bonjour Madame Astier, merci de votre présence aujourd'hui aux côtés de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes la fondatrice de Green Bee Upcycling. Quelle est donc votre structure? Nous sommes une association qui existe depuis un peu plus de 2 ans et qui vise à réduire les déchets du monde événementiel. En quoi cette activité contribue à la réduction de la production des déchets? Eh bien, dans le monde événementiel, on produit des matériaux pour quelques jours, voire quelques heures d'existence seulement. On produit énormément de plastique, des bâches imprimées, des tissus imprimés, des kakémonos, des oriflammes, des drapeaux, des moquettes, des linos. Et nous récupérons toutes ces matières qui sont vouées à la benne et on crée à partir de ces matières des objets porteurs de sens pour les sociétés qui les acquièrent. En quoi cette action s'inscrit-elle dans une démarche de solidarité et de coopération? Alors, on a voulu inscrire notre association d'entrée de jeu dans l'économie sociale et solidaire. Et pour ce faire, on a décidé que toutes les séries d'objets seraient confectionnées dans des ESAT de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on est heureux maintenant de commencer à étendre à d'autres ESAT, pour le moment en Île-de-France et en région Normandie.